Alors les frérots, c'est Corvox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon très cher Daniel. Et oui les amis, aujourd'hui on va regarder les notes du Havre les amis. C'est votre tour aujourd'hui, n'oubliez pas de poser le like, de vous abonner les amis, également de commenter etc. Non ? Exactement, mais juste avant ça on dit un petit coucou à Mathis. Salut Mathis. On commence avec Bonne Mère. Franchement frérot, j'ai juste envie de te dire qu'il a moins un gars de vitesse. Et on peut passer à une autre carte si tu veux. D'accord, mais attends, du coup c'est le fils de Monsieur Bonne Mère, c'est ça ou rien à voir? Mais oui. Mais comment vous savez? Ah, parce qu'il s'appelle Baudelaire. Mais vous êtes un génie! Mais oui! Oh là là! Vas-y, commence-toi. Casimir, du coup, les amis, qui prend un plus 4, du coup, de général. Bah, carte assez compliquée, les amis. Après, bon, ce qui est bien pour vous, les supporters du Havre, c'est que vous avez le mode évolution, hein, maintenant, depuis FC24. Du coup, vous pourrez, du coup, mettre, évidemment, le bon vieux Casimir dans le mode évolution. Rien d'autre de plus à dire sur sa carte. Exactement. On enchaîne avec Desmos, les gars, qui prend une très belle augmentation parce qu'il passe d'argent à or. Il prend un plus 4 en positionnement et c'est très important pour un gardien, n'est-ce pas? Exactement, plus 4 en positionnement, mais la carte elle est pas belle pour un gardien, c'est une carte aura, mais elle est pas belle la carte moi je trouve. En Ligue 1, forcément vous allez avoir beaucoup mieux que Desmos, mais bon, au moins une carte aura du coup pour le Havre. On enchaîne les amis avec El Hajam, du coup, bah forcément hein, il perd moins 2, saison compliquée pour lui, je sais pas du tout en fait pourquoi il a perdu moins 2 les amis, j'ai pas trop regardé ses matchs, mais au niveau de la carte c'est compliqué pour jouer dans fut, hein. Défenseur droit, il a pas beaucoup de vitesse, donc compliqué forcément. C'est bon pour lui. Ah, Gorgelin les amis, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, du coup, oui forcément, lui, il était deuxième gardien, il faisait de temps en temps des matchs de Coupe de la Ligue, bref, bah écoute, il a pris plus 1, donc c'est pas mal, hein. Voilà. Samuel Grandier, les gars, qui était promu à une très très belle carrière, mais malheureusement, il a enchaîné les prêts, et ouais, là, il vient de, dernier club en date, c'était Los Angeles Galaxy, et malheureusement, même s'il garde la même note générale, il perd quand même un plus 3 de vitesse, chose qui n'est pas négligeable sur SC25, surtout quand je joue sur un côté. Et puis surtout la stat de tir, franchement, là je pense que tu arrives à tirer dans les poteaux de corner avec ça. Ah, elle est pas belle, elle est pas belle. Après, pour une carte argent, bon, compliqué un peu. Oui, ça reste intéressant pour une carte argent, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas beau. On continue du coup, les amis, avec Antoine, toujours 66 de général. Ah, pour jouer sur le côté droit, c'est compliqué, les amis. Hein. 69 de vitesse seulement. Bon, il passe quand même du coup en carte argent. L'an dernier, il était bronze. Mais voilà, carte compliquée du coup pour Antoine Joujou. Keshta prend en plus 4 du coup de général. Il passe du coup en carte argent rare, les amis. 58 de vitesse, 59 de tir. Fouah. La carte, elle est compliquée, pareil. Hein. Après, si vous arrivez dans le mode évolution, en faisant même plusieurs évolutions, parce qu'il part quand même de très loin, lui, peut-être qu'il aura une belle carte. Mais ouais, carte compliquée, forcément. King Koué, les gars, qui prend quand même un plus 7 de général, c'est tout simplement incroyable. Malgré le fait qu'il perd quand même un de vitesse, allez savoir pourquoi FC25 ils font ça. Ouais, il prend juste une augmente en défense, si on remarque bien, il prend un plus 9. En physique, il bouge pas. Ça peut être ouais, une carte intéressante en évolution, mais dans l'ensemble, je pense que ouais, moi je vais pas trop jouer avec. Ah, bon, non plus. Hein, ok, super. Ouais. Autour de Kuziev, les gars, alors il prend un moins 1, je ne sais pas pourquoi. Et puis en plus, quand je sais pas si tu vois un peu Daniel, mais quand tu regardes sa carte actuellement. Bah, elle est pas si mal que bah, ça ouais. En soi, elle aurait pu rester or, donc ouais. Ça, je comprends pas trop. Dites-nous dans les commentaires si vous savez pourquoi il est passé argent. Mais bon, sinon, c'est quand même une belle carte. Ouais, ouais, c'est clair. Gauthier Lloris, du coup, les années 40 de vitesse. Aïe, 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 aïe. Bah, même dans un mode d'évolution, il part tellement de loin lui aussi, donc compliqué. Qu'est-ce que je vous dis, les amis, il a 40 de vitesse, il est injouable, le bon vieux Gauthier Lloris. Oui. Il est ancien joueur de Nice, d'ailleurs, Gauthier. NDI, les amis, du coup, qui garde 69 de général, c'est parfait. Au niveau de sa carte, peut mieux faire. Il a 71 de vitesse et 71 de physique, donc c'est pas trop mal. Dans le mode évolution, lui, il passe plutôt bien parce que il est pas très loin d'avoir une belle carte. Donc, avec le mode évolution, il peut avoir une carte plutôt sympa. On enchaîne avec Nego, les gars, qui prend un plus 2 de note de général, bon, qui perd moins 1 de vitesse. Il a une carte, je trouve, assez correcte, qui est complète. Il me semble qu'il peut jouer aussi milieu droit. Vous me confirmerez tout ça, mais bon, ça reste une belle carte. Pour commencer FC25. Hein. Exactement. Opéré, du coup, les amis, qui prend plus 3 de général. Malheureusement, il passe pas en carte or. Il aurait mérité le bon vieux Opéré parce qu'il a réalisé vraiment comme une bonne saison. L'an dernier, sur FC24, il avait eu quelques cartes boost. Je crois même il était tots. Mais sinon, il a plutôt une belle carte. Et malheureusement, c'est une carte argent. Donc forcément, il y aura beaucoup mieux à gauche. Mais pareil, dans le mode évolution, si vous le faites évoluer, il peut vraiment avoir une carte sympathique. Mêlé, du coup, les gars, qui prend un moins 1, malheureusement. Bon, il est en provenance de Sunderland, l'ancien du PSG. Il prend quand même cher, notamment au niveau de la vitesse. Bon, ça reste 80 de vitesse, ça reste quand même un peu jouable, mais ouais, dans l'ensemble, ça va être compliqué. Ouais, 64 de défense pour un défenseur, ouais, ça va pas être très très fort. On enchaîne avec Sabi. Bon, si tu savais, il nous avait mis un doublé à l'époque. Ouais. Voilà, on est obligé de s'en souvenir. Il a une belle carte, il prend quand même un plus 1. Il prend un moins 1 en vitesse, donc je comprends pas trop. Bon, il prend le plus 4 en tir, c'est important pour un attaquant.
73 de dribble, ça va aussi. Bon, physiquement, c'est pas top, mais pour un côté, on va dire que 90 de vitesse, ça fait le taf. Exactement, ça fait le taf. Sale bien les amis, du coup, défenseur central, 35 de vitesse, hein, comme Gauthier Lloris, c'est injouable du coup en défense. Par contre, il prend plus 12 en tir, donc ça, j'ai pas compris pourquoi. Mais sinon, la carte, bah, elle est pas belle, quoi. Vraiment, même dans le mode évolution, ça va tellement être long pour qu'il ait une vitesse correcte. Vraiment, vous avez pas de chance, hein, les supporters avrés, entre Gauthier Lloris et Salmier, c'est très très lent. Le capitaine sanglanté, les gars, il prend un plus 2 de général, c'est pas mal. Il prend notamment en défense et en passe et en dribble. Donc je pense, à mon avis, c'est une carte que vous pouvez jouer MDC s'il a l'évolution en plus. Mais sinon, dans cette carte-là, ça reste quand même injouable. Targaline, les amis, du coup, 52 vitesses pour ce milieu de terrain. Il prend quand même un plus 5 que les amis de général par rapport à FC24. Carte... assez compliqué, le 52 vitesse, franchement, il bousille tout. Sinon, le reste, c'était pas trop mal, 68 de défense, voilà, quoique 57 de physique. Ah, la carte, elle est pas belle. Et on termine les amis avec Touré, du coup, l'ancien joueur du FC Nantes. Il prend plus 4 en vitesse, mais bon, ça reste tout de même pas très beau, les amis. Physiquement, défensivement, ça va, mais voilà, c'est juste la vitesse, malheureusement, qui pose un problème sur sa carte. Et comme beaucoup de cartes du Havre, les amis, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais beaucoup de cartes ont des problèmes de vitesse, malheureusement. C'est le clan d'Andé, là, le Havre, ça va pas vite. La vidéo est enfin terminé les frérots, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, abonnez-vous, posez le petit like, et un immense merci à toi Daniel. Et oui, merci à toi du coup de m'avoir invité, ciao ciao les amis, au revoir.